Rideau, bonjour, 3, 4, paf, image. La photo, c'est la magie. Bienvenue dans le petit monde de François Tomasi. Un monde fait d'instants, de réflexions et de paradoxes. Et à chaque mouvement de l'obturateur, c'est un cliché personnel qui voit le jour. Je pense surtout à ma sensibilité. Tout dépend du sujet, bien sûr, parce que vous avez plusieurs types de travaux photos. Là, c'est plutôt de l'artistique, quoi. J'essaie de dégager le maximum d'émotions dans différentes situations. Celle-là, celle de la... Elle est prise à Cuba. En fait, c'est sur les bords du Malecón, et c'est un peu un autoportrait, quoi. C'est le photographe tout seul qui cherche sa lumière, quoi. C'est pour ça que je l'ai faite de nuit. Au travers de son travail, François Tomasi met en parallèle l'humain et son environnement. On y retrouve des thèmes architecturaux, des sculptures urbaines et aussi des traces de ses voyages. Des instants donnés qui font aujourd'hui escale à Tours, à la Galerie des Bons Enfants, à travers une vingtaine de clichés, chacun ayant son histoire. Il y a d'une part ce travail qui est fait là, c'est donc le Grand Palais, le sujet, que ce soit la vie, que ce soit le monument ou la rénovation. Et puis les autres sujets sont des sujets que je travaille. Par exemple, sur Cuba, j'ai essayé de retrouver le pêcheur dont s'était inspiré Mingway pour écrire Le vieil homme et la mer. Et donc il s'appelle Gregorio Fuentes, le pauvre n'est plus de ce monde, mais quand je l'ai rencontré, il avait 100 ans. Et à partir de la philosophie du livre, j'ai commencé à traiter tout le sujet qui est exposé à l'Assemblée nationale en 2000. Un personnage qui dit avoir eu 27 ans hier, avec humour bien sûr, parce que derrière lui se cache une longue carrière déjà. Pour la petite galerie des bons enfants, c'est donc un événement, un renouvellement aussi, chargé d'admiration et de complicité. Parce que ce qui plaît chez l'artiste... La personnalité avant tout. C'est son charme et personnalité. C'est quelqu'un de très sympathique, qui a plein d'idées sur la culture. Je trouve qu'il est quelqu'un qui prend son boulot sérieux et prend son rôle d'artiste très sérieux. C'est pas « je vous donne mes œuvres et vous débrouillez », c'est vraiment l'implication et la passion. Une collaboration rapprochée qui s'exposera pour la première fois ce vendredi à 18h. Une nouvelle expérience pour François Tomasi avant la naissance de son prochain projet parmi tant d'autres. Un livre sur ses photographies du Grand Palais.